Je viens d'avoir un téléphone. Oui, j'ai entendu. Qui était-ce? Ton fils. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait? Décommandé. Ah oui? Qu'est-ce qu'il avait acheté? Mais non! Décommandé de souper. Quel souper? Le souper auquel il nous avait invités samedi soir. Eh bien, ce sera pour une autre fois. Oui, mais quand? Hein? Quand? Il devait nous présenter son amie Caroline. Peut-être qu'il a rompu une autre fois. Ben, au contraire, il en est plus amoureux que jamais. Comment le sais-tu? Il vient de me le répéter au téléphone. Puis d'ailleurs, oh, sa voix a changé. Oui, 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 je sais, des inflexions nouvelles, une respiration plus courte, des modulations hein? plus fréquentes. Mais pour quelle raison a-t-il décommandé? Un voyage. Ah oui? Où ça? À Québec, pour l'aide juridique. En fin de semaine? Mais oui, c'est une espèce de congrès. Ah, oui, oui, je me souviens. Il m'en avait parlé il y a un mois. Eh bien, nous rencontrerons sa Caroline une autre fois. S'il est aussi amoureux que tu le dis, ça n'est pas près d'être fini. Et puis, il sera toujours temps d'apprendre. D'apprendre quoi? D'apprendre qui elle est. Oh. De la connaître. En attendant, si je t'invitais, moi, à un souper intime. Et puis, ça peut te paraître ridicule, mais je suis jamais allée à Québec. Mais il n'y a rien de ridicule là-dedans. On ne peut pas tous être allés à Québec à 20 ans. Oh, c'est une belle ville. Tu verras. Comment ça, je verrai? J'ai pas dit oui. Mais t'as pas dit non. J'ai surtout pas dit oui. T'hésites? C'est à cause de tes parents? Non. Enfin, oui, un peu, mais pour bien d'autres raisons. Lesquelles? Oh, c'est compliqué. Mais y a rien de compliqué, au contraire. Je t'aime. Je pars à Québec. Et puis je t'emmène. Et puis on part pas pour un mois, mais pour 2 jours. Et une nuit? Eh oui. Même à Québec, en 2 jours, il y a une nuit. Oh! C'est toi qui te moques maintenant. Écoute, si je loue 2 chambres, simple, est-ce que ce sera moins compliqué? Oui, mais ce sera plus cher. L'important, c'est que tu puisses venir. Ah, oh, je veux marcher avec toi dans les rues du Vieux-Québec, sur les plaines d'Abraham, sur la place Royale, sur la terrasse du Château Frontenac. Ah, oh, oh, je te ferai visiter l'île d'Orléans. On fera le tour de l'île. C'est tellement beau à l'automne. Ah, tu verras. On ira manger dans une auberge. J'en connais une qui est fantastique. C'est une eau. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de Québec, des vieilles rues, des plaines d'Abraham, de l'île d'Orléans, d'une auberge. L'île d'Orléans. Pour savoir. Il est allé au dépanneur chercher du lait pour demain matin. Oh, ben j'aurais pu y aller, moi. Tu connais ton père, il a pas voulu te déranger. Il m'a dit, sa porte de chambre est fermée, elle doit rêver à ses amours. Il a pas tout à fait tard. Ah, non? Non. D'autant plus que Pierre-Paul s'en va à Québec pour la fin de semaine. Fin de semaine sans lui, ça te fera pas mourir. Et avec lui, croyez-vous que j'en mourrais? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui. Si j'allais à Québec avec lui. Tiens, déjà. Oh, comment ça, tiens, déjà? Mais on partirait pas pour 2 mois, là, on partirait pour 2 jours. Et une nuit? Eh oui, maman. Même à Québec, entre 2 jours, il y a une nuit. C'est vrai que c'est moins pire que 2 nuits et 1 jour. Oh, j'aurais dû me douter que vous alliez réagir comme ça. Depuis qu'Isabelle vit avec son chum, là, vous pensez que toutes les filles couchent avec les garçons. Mon doux! C'est toi qui réagis mal, pas moi. J'ai pas encore dit un mot. Non, mais vous en avez dit 2, puis je les ai bien entendus. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ben, vous avez dit, tiens, déjà. Mais ma petite fille,
Si je te disais pas ce que je pense, à quoi ça servirait de nous parler? C'est toi qui montes sur tes grands chevaux. Mais alors, pourquoi vous avez dit « tiens » déjà? Parce que c'est ce que je pense. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça fait rien qu'un mois que tu sors avec ce garçon-là. Et puis? Puis, c'est tout. Mais vous pourriez me dire autre chose? Ah oui? Pour t'encourager? T'as dit que je te trouve chanceuse, que je vais en parler à ton père? Parce que c'est ça que tu veux, hein? Que j'en parle à ton père. Mais ton ami, là-dedans, lui... Mais quoi, mon ami? Ben oui, qu'est-ce qu'il dirait si tu y allais pas avec lui? Oh, c'est pas le genre de garçon qui va forcer une fille. Il m'a dit qu'il comprendrait. Ben alors, y a pas de problème? Ben non, mais c'est moi. Ça me tente, moi, d'aller à Québec avec lui. Ah bon? Comme ça, s'il t'arrivait quelque chose, tu pourrais pas lui reprocher. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Rien de bien extraordinaire. Oh! Mais maman, tout ce qui m'arrive avec lui est extraordinaire. Ah oui? C'est pour ça que j'ai envie d'aller à Québec avec lui. Pour marcher là avec lui sur la terrasse du Château Frontenac, dans les vieilles rues de Québec. Hey, Pierre-Paul m'a même dit qu'on pourrait peut-être aller à l'île d'Orléans. Pourquoi pas à Sainte-Anne-de-Beaupré? Pour la nuit, là, il va louer deux chambres. Deux chambres? Je vais en parler à ton père. Oh! De toute façon, maman, il m'arrivera rien. Je suis plus une enfant. Et puis, je suis pas prête. De toute façon, Pierre-Paul... c'est pas un garçon comme les autres. C'est bien ça qui m'inquiète. Ah, comme ça, c'est le chum de ta fille Caroline. Ça fait 3-4 fois que je vois cette corvette-là devant la maison. Je me suis dit, coudonc. Moi, non, c'est une corvette. Je suis fou, toi. J'ai même pas moyen de prendre un taxi. Je suis obligé d'en faire. Ben, qu'est-ce qu'il fait dans la ville, jeune, pour avoir un char de même? Il est avocat. Coudonc, il travaille-tu pour la paix? Non, mon père est venu au monde avant lui, et son père aussi, il est avocat. Ah, Joël Vert, c'est payant, avocat. Ah, pour ça, c'est un fils unique. Hein. Et le père? Ben non, le garçon, lui, le père, il est arrivé d'être nommé juge. Hé, je t'ai dit que ta fille avait grillé, une corvette, un mère avocat, mais un beau père juge. Arrête-moi ça, toi, ça fait juste un mois qu'ils sortent ensemble. Là. C'est vrai que les avocats, c'est peut-être pas des mariés. Ben écoute, quand t'as tout dans la vie, tu dois être moins pressé de te marier, hein? Oh, ben, moi, je sais pas, j'ai jamais tout eu. Je dirais même que j'ai jamais rien eu. C'est comme moi le matin de mes noces, hein? J'en ai rien, fait que je t'apprends à partager avec n'importe qui. Si ta femme t'entendait, toi. Ben non, je veux dire, en entrant à l'église, j'avais rien, mais en sortant, au moins, j'avais une femme. Puis comme ma femme puis moi, ben... on est habitué à séparer moitié-moitié, ben, on va tous les deux à moitié de rien. Salut! Papa est pas revenu, hein? Pas encore. Il doit t'arrêter au restaurant ou bien t'es en train de jaser avec Méo. Mais il devrait pas tarder. Tu t'inquiètes pour ton voyage à Québec? Mais non. Au fait, quand est-ce que vous partiriez? Samedi matin, de bonne heure. Il viendrait te chercher à la maison. Oui, justement. Mais je voudrais pas que papa se mette à faire des blagues. Ah, oh, ben ça! Je t'ai dit que j'allais lui parler, mais je peux pas le changer, par exemple. D'ailleurs, ton jeune avocat, ça fait quelquefois qu'il vient à la maison, puis il a l'air de bien s'entendre avec ton père. C'est pas lui que ça gêne, c'est moi. Puis, as-tu honte de ton père? Oh, maman, voyons, la question est pas là. Une hirondelle. Oh, tiens! Sont là, mes deux hirondelles. Ça fait pas mal de oiseaux dans la famille des moineaux, ça, hein? Bon, on dit les taxis alouettes, Maître Pinson et fils, puis mes deux hirondelles. Puis, les amours. Oh, papa! Ah, cassé! C'est-tu déjà cassé? Monsieur Marie. Ah, je suppose que j'ai dit quelque chose de pas correct, là. Tu devrais savoir que quand on est en amour, il y a des choses qu'on trouve pas drôles. Ben oui, mais moi, je pensais que c'était le contraire, qu'on voyait la vie en rose. La vie, oui. Mais pas son père, hein? En quelle couleur que tu me vois d'abord? Je pense que je vous vois en noir et blanc. Mais là, je m'en vais me coucher, là. Je vais peut-être rêver à vous en couleur. Bonne nuit.
Caroline? Ben, je sais pas, là. Qu'est-ce qui parle? Ma femme me demande de vous demander qui c'est qui parle. Ah, c'est. Ah, jeune Pinson, comment ça va? Non, elle n'est pas couchée. Ben, c'est-à-dire, elle l'était, mais là, elle l'est plus, là. Une minute, elle va te parler. Tiens, c'est ton. Oui, oui, oui. Allô? Non, 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 je dormais pas, j'étais en train. Oh non, je dormais pas, je t'assure. Je lisais dans ma chambre. Oui, j'en ai parlé à ma mère. Coulon, ça a l'air sérieux, ces amours. Ça a l'air, oui. S'il faut qu'ils se mettent à l'appeler le soir à cette heure. Toi aussi, tu m'appelais le soir. Ben oui, mais moi, c'est pas pareil. T'es tout seul à Montréal, en chambre. Oui, mais moi, j'étais pas toute seule à la maison. Puis il y avait mon père qui disait, tant qu'à se parler des demi-heures au téléphone, il serait aussi bête de se marier. Ben, c'est ce qu'on a fait aussi. Oui, c'est ça. Je vais aller rêver à l'île d'Orléans. Mais probablement, mais je peux rien te promettre. Hein. Je saurai demain. Je t'appellerai demain avant-midi au bureau. OK? Moi aussi. Bonne nuit. En noir et blanc ou en couleur, arrivera sûrement pas à moi. Marie-Madeleine? Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'es bien en lune, là. Je pense à Caroline. Tu l'envies? Un peu, oui. Ah, tu sais, les amours, c'est chacun son tour. Ça a bien changé depuis que ton tour est passé. Ah, moi, j'aime autant que mon tour est passé il y a 30 ans qu'aujourd'hui. C'est bien moins compliqué. Pour les hommes, peut-être, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu veux avoir 20 ans aujourd'hui, là, puis faire comme ta fille Isabelle, prendre la pilule, puis aller vivre avec ton chum? Tu l'as encore sur le cœur. Oui, 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 je l'ai sur le cœur, puis lui, je l'ai de travers. Un étudiant, je sais pas quoi, là, qui se fait vivre par ma fille. Il se fait pas vivre par Isabelle, il achève son université. Il y a de la misère à finir, ça fait 3 ans qu'il achève. S'ils sont heureux ensemble, c'est pas un mauvais garçon, Marcel-Marie. Qu'est-ce que tu veux? Le monde a changé. Bon, on va parler d'autre chose, veux-tu? Oui, justement. J'ai d'autres choses à te parler. Ah oui, de quoi? Ben, c'est à propos de Caroline. Ouais. Elle veut pas aller vivre avec son chum, elle aussi? Ben non. Mais son ami, il s'en va à Québec en fin de semaine. Puis? Ben, elle aimerait ça y aller avec lui. Ah ben, qu'est-ce? Regarde donc ça. Il partit en voyage de noces. Marcel-Marie, voyons. Ah, c'était donc ça, les téléphones le soir. C'est Caroline qui t'en a parlé, je crois. Ben oui. C'est lui qui est avocat, mais c'est elle qui plaide sa cause. C'est elle qui va aller à Québec avec lui, il l'oblige pas. Ben, il manquera plus rien que ça. J'aime aller à Québec. Mais oui, mais elle a toute la vie devant elle pour y aller. Bon. Oui, mais pas cette fin de semaine-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas dans 10 ans qu'elle va aller à Québec. C'est en fin de semaine. De nos jours, les jeunes, ils attendent plus. Ils se dépêchent, ils ont hâte. Et moi aussi, j'avais hâte. J'ai attendu. Même des grands bouts, j'attends encore. Aujourd'hui, ils croient plus qu'ils ont toute la vie devant eux. Je le sais. Rendu à 30 ans, il y en a qui l'ont tout derrière eux aussi. Mais c'est pas mieux, ça. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est comme ça. Aller à Québec. Ben moi, je me souviens, la première fois que je suis allé à Québec, c'était avec toi, en voyage de noces. Moi aussi, c'était la première fois. 2 jours au château. Tu te rappelles? Mm-hmm. Avec mon vieux Ford qui pompe à l'huile.
tout, tu pompais autre chose. Oh, on va eu toutes les misères du monde à se rendre. C'est vrai que par la rive nord, c'était bien plus long dans ce temps-là. Mm. On s'était arrêté au Cap de la Madeleine. Ouais. Ça plus un voyage de noces, c'était rendu un vrai pèlerinage. N'empêche que mes Je vous salue Marie avaient porté fruit. Ouais, ben, ça n'a pas empêché mon char de pomper l'huile. Non, mais toi, ça t'avait calmé. Ben, Notre-Dame du Cap, c'est assez calme, oui. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça beau. La petite chapelle, le pont des rosaires. Puis à ce temps, les gens vont dans le pont des rosaires. En tout cas, on va finir par ça dans le Québec, pareil. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on aille dans le Nord. C'était moins loin de Montréal. Que c'est? Avais-tu si haute que ça? Oh. Non, mais je connaissais ton genre. Ouais, ben, si on est allé dans le Nord, on n'aurait pas vu Maurice Duplessis en personne. Tu penses que ça m'a ému? J'aurais aimé mieux voir Maurice Richard au Forum que Maurice Duplessis en personne. Mais moi, dans ce temps-là, je croyais encore à ça, au premier ministre. Je pensais que c'était des gars extraordinaires. C'est vrai qu'on le voyait vraiment. Il me semble que je vois encore Maurice Duplessis à l'entrée du château. Là. On aurait dit que la bâtisse y appartenait. Le château, non, mais la province, c'était à lui. Ouais, mais ça m'empêchait pas de voter rouge pareil. Tu votais pas rouge, tu voyais rouge. Je voyais plus loin que mon nez. La preuve, c'est quelques années plus tard, là, toute la province voyait rouge comme moi. Ouais. Mais en tout cas, toi, en rentrant au château, t'étais rouge. Je comprends. C'était pas une place pour nous autres. On avait l'air pas mal perdus. Pour des gens perdus, on s'est retrouvés pas si mal, hein? Comme ça, elle va aller à Québec avec son chum. Choses tranquilles. Vous oubliez grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver. Le tour de l'île. L'île d'Orléans. Pierre-Paul. Oui, mon ange. Ton souper intime. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu dirais si on allait le prendre à l'île d'Orléans? Oh, c'est un restaurant que je ne connais pas, mais si tu veux. Non. À l'île d'Orléans même. À Québec. Quoi? Tu veux aller prendre un repas à l'île d'Orléans? Puis on pourrait passer la nuit dans cette petite auberge où nous sommes allés il y a quelques années. Tu te souviens? Enfin, Marie-Hélène, je t'offre de partager un souper intime et tu me demandes de passer un week-end à l'île d'Orléans. Regarde, j'ai retrouvé le dépliant de l'auberge. C'est dans cette chambre-là qu'on avait passé la nuit. Oui, oui. Belle chambre. Belle chambre. J'avais pensé que peut-être on pourrait inviter Pierre-Paul à partager un souper avec nous. Hein? C'était donc ça. Ainsi, on pourrait rencontrer sa nouvelle amie. Tiens, il a une nouvelle amie. Sa Caroline. Elle s'appelle Caroline, elle aussi. Mais non, c'est la même Caroline, celle dont tu es follement amoureux. Mais que va-t-elle faire à un congrès à Québec? Pierre-Paul m'a dit qu'il voulait l'emmener. Quoi? Elle? Mmh?
pays vite. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas, nous autres aussi, à Québec? Qu'est-ce qu'on irait faire, là? Ben, se rappeler des souvenirs. Les souvenirs de nos 20 ans sont des jolis papillons blancs. T'as là-bas envie qu'on repasse par le Cap de la Madeleine, toujours? Non. D'après ce que je peux voir, le miracle, ce serait qu'on aille à Québec. Oh, ben, on peut se rappeler les mêmes souvenirs à soir, si tu veux. Ça serait pas un miracle. J'ai assez de conduire mon char toute la semaine, je suis pas pour prendre le chemin en fin de semaine. Faire un tour, c'est correct, mais aller à Québec, c'est pas à porte. Sans compter que l'essence est rendue chère sans bon sens. Si j'avais moyen d'aller coucher au château Frontenac, là, ça doit plus être abordable. Déjà, dans le temps, c'était pas donné. C'est vrai qu'en voyage de noces, on va tout là aussi qu'on n'a pas les moyens d'aller. Non, moi, j'aimerais mieux attendre à cet hiver, dans le temps du carnaval. On pourrait aller voir une partie des Nordiques. Tu sais qu'ils sont rendus pas mal forts, hein? À part ça, leur chandail est tellement beau. Ah oh ben, ça parle au Yob. Est déjà rendu au pays des rêves. Hein? C'est bien les plus beaux voyages qu'on peut pas faire, ça.